que la parole change notre vie. I'm not preaching for money, but let the word change our lives. Pourquoi on va gaspiller l'argent? Why are we going to spend money? Si tu sais que tu vas pas aimer le monsieur et la femme. If you know that you will not love the man or the woman. Pourquoi tu veux porter habit blanc? Why are you going to? Why are you wearing the white garment? Il y a quelque chose qu'on doit revoir. There's something we have to check. Il y a quelque chose qu'on doit revoir. For other things, hallelujah. This phone go, I charge your phone only 40,000. On voit comment le frère Abraham était pressé. We have seen how brother Abraham was in a hurry before the council shouted yes. The whole le conseil il criait oui. La gare à Mary là-bas. Il était pressé. He was in a hurry. Après deux ans, after 2 years, est-ce que le oui là-bas sorti comme ça? Will that yes come louder like today? Après 5 ans, after 5 years, la première chose que l'ennemi a attaqué, ce n'est pas le business, ce n'est pas l'argent, c'est le mariage. The first thing that the enemy attacked was not the business nor the money, but the marriage. On a connu beaucoup de femmes qui sont folles. Oui, folie, ce n'est pas la société, ça vient de leur mariage. We knew a lot of women that was mad, not because of madness, but because of marriage. There are many men seeing them throwing their hands like they are choir directors because of the problem of marriage. On voit beaucoup de gens qui marchent, qui font des gestes comme des maîtres de chorale, mais c'est à cause de la folie du mariage. Adam, where are you? Adam, où es-tu? God said, where I placed you, you were not there. Dieu dit où je t'ai placé, tu n'y étais pas. I pray grace over you. Je prie la grâce sur vous. That your home stand. Que pour vous tienne. On n'a pas dit amen. J'ai l'assurance de mon salut. Oh. À la présence du Seigneur Jésus, sans son malade, racheté. Adam a dit, quand on t'a entendu,
On a réalisé qu'on était nus, alors nous nous sommes cachés. Écoute, peuple de Dieu. Listen, people of God. On ne dit pas que we are not saying that there will not be issues in your marriage. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y aura pas de problèmes dans le mariage. Adam, God told him that the very day you eat this fruit, you will die. À Adam, Dieu a dit le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam had an issue. Adam avait un problème. But when you hear God coming to you, mais quand il a entendu Dieu venir vers lui, instead of accepting God and tell God I have a problem, au lieu d'accepter Dieu et dire à Dieu j'ai un problème, Adam ran away. Adam a donc fui. Abraham, there may be tension. Abraham, il y aura certainement des tensions. I said there may be. Il y aura certainement des tensions. Il y aura peut-être des tensions. Thank you, Daddy. God bless you. Yeah. But whenever you hear God coming to it, mais à chaque fois que tu entendras Dieu venir en cela, how will God come to it? Comment est-ce que Dieu viendra en cela? Maybe with the preaching of God's word. Certainement par la prédication de la parole de Dieu. Or your conscience. Ou ta conscience. Don't run away from God. Ne cours pas, ne fuis pas la présence de Dieu. Écoute-moi. Listen to me. Tout le monde qui veut divorcer sa femme et son mari, le Seigneur est venu t'aider, mais tu as dit non. Any person want to divorce with the husband or the wife, the Lord came to you to help you, but you said no. Just one. Adam a eu problème. Adam had an issue. Et Dieu est venu dans le jardin. And God came to au lieu de courir vers Dieu, instead of running to God, on a péché. Lord, we have sinned. They rather run away. Ils ont au contraire fui la présence de Dieu. Anything that you are suffering in your marriage, tout ce dont vous souffrez dans votre mariage, there's God's way out for it. Il y a une issue de la part de Dieu à cela. But normally we run away from God. Normalement, nous courons, nous fuyons la présence de because Dieu. Because we don't accept God's God divine resolution or to solve our marital issues. Parce que nous n'acceptons pas les résolutions divines de Dieu pour résoudre nos problèmes de mariage. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. That you will accept the counsel of the Lord. Et que vous acceptez les conseils du Seigneur. In your marriage. Dans votre mariage. The best marriage on earth. Le meilleur mariage sur la terre. It's not a marriage who have no issues. Ce n'est pas le mariage où il n'y a pas de problème. But it's a marriage who accept God to settle their issues. Mais c'est le mariage qui accepte Dieu de régler leurs problèmes. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, no fear is gone. And now I know, yes I know, you hold the future. And life is well and living just because he lives. Now hear me, I will not be long. Écoute-moi, je ne serai pas long. It does not matter how long a sermon is, if you have to change, you have changed by the introduction. Ce n'est pas la longueur de la prédication qui fait, mais quand tu dois changer, ce n'est pas la longueur. Si tu vas changer, tu vas changer. If you are here, you are not married, come away from sexual intercourse. Si tu es ici, que tu n'es pas marié, sors des rapports sexuels. Je conclue. En conclusion. Sexual intercourse are only allowed in God-given marriages. Les rapports sexuels sont seulement permis dans le mariage ordonné de Dieu. Vous frappez vos enfants quand ils veulent faire ça. You are beating your children when they want to do that. Tu es encore petit. You are a child. Au lieu de dire que sans le mariage tu ne dois pas le faire, tu dis que tu es encore petit. Instead of telling him that without the marriage you can't do it, you are telling him you are still a child. So le frère fait l'effort de dépasser 18 ans et dit maintenant je peux faire. So the brother make an effort to draw
18 years, he said, now I can do it. Maman, si même tu as 45 ans, si tu sors avec un homme sans la dot, on appelle ça fornication. Mother, if you are 45 years and you are having sex in the home with a man without marriage, we call it fornication. Si même la loi ivoirienne te support, hein? C'est français. Support. Support que quand deux adultes décident de se coupler, c'est rien. Mais la loi de Dieu supersède la loi des nations. Alors si même la loi ivoirienne te permet et dit que les deux adultes peuvent se mettre ensemble sans le mariage, mais la loi de Dieu surpasse cette loi. Vous avez un pasteur dans ce pays qui vous encourage. Ce qu'il dit, tu dois goûter la femme avant de la marier. Mais cette personne croit à la polygamie. Méfiez-vous. Si c'est au Ghana, vous allez voir les femmes dans la rue en train de faire des démonstrations comme ça. Ça veut dire que la valeur de la femme dans ce pays, on a, c'est comme la checker au marché. Tu goûtes, est-ce que c'est bon à checker? Est-ce que la femme est à checker? Quand papa parlait des démonstrations, ça veut dire que les femmes allaient sortir pour marcher comme ça, réclamer leur honneur. On vous a réduit à Tchéquet. Cela a un évangéliste du diable qui dit on n'a qu'à vous goûter. Ça veut dire que quand la personne soit avec toi, il décide. Donc c'est rien là. Vraiment, quelle est cette abomination sur cette nation? Où sont les femmes qui prient? Where are the prayerful women? Mais ça, tu vois les jeunes gens, les papas, les en train aussi. De partager ces vidéos. Les mamans aussi. Les mamans aussi. Mmh. Écoute-moi. Listen to me. Si on a attaqué qui a rempli ça. If you are checking the field this. Si on a 25 hommes qui va goûter attaqué là, ça va finir dans plat. If you have 25 persons who have to come and taste the attaqué, it will finish in the plate. That's right. Isn't it? So si Yao vient, il goûte, il n'aime pas. Yao come and taste, he doesn't like. But Siri vient, il goûte, il n'aime pas. Siri come and taste, he doesn't like. Yakuba, non Yakuba. Yakuba, good. Good, toi, il vient, il n'aime pas. Good, toi come and take, he doesn't like. Baole, Kwame. Kwame come and taste, he doesn't like. Deux jours là, les soeurs là, ils sont dans les Libanais là. This time around, people are into Libanese. Eux tous viennent, ils goûtent, goûtent là. Donc come and taste, taste, taste. Le pas sera vide. The plate will be empty. Toi-même là, ta tête te prêche. Yourself, your mind is preaching to you. I'm done. So les frères qui sont contents, yeah, on doit goûter. The brothers who are happy, we have to pêche. Quand tu vois, et il y en a différentes entre les choses importantes et les choses qui ne sont pas importantes là, et le prix. Quand tu rentres dans le supermarché, on ne goûte pas, on achète seulement. Aïe, 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 aïe. Mais dans les quartiers précaires là, les nyama nyama là, on veut goûter. Mais ta valeur détermine la chose. Et si on value. That will cause whether they will test you or they will not. C'est ta valeur qui va déterminer si on doit te goûter ou pas. Quand tu vas à place là, tu vois la chose. When on a écrit dessus. It's written on it. Il n'y a personne là-bas. Nobody is there. Tu donnes l'argent, tu prends. You like it, you pay and you take it. Les soeurs, on ne doit pas vous goûter. Sisters, nobody must test you. Tu ne vas pas dire mais parce que toi-même tu te goûtes, tu goûtes toi-même. Tu te prends, venez m'écouter. So I beg you. Alors je vous en prie. Le problème de la francophonie, c'est le problème sexuel. The problem of francophone is sexuality. Les chrétiens de la francophonie aiment danser. The Christian of francophone, the francophone Christian like dance. Vous savez sécuyer vos reins. Like shaking your waist. Les gens de Bassam. The people of Bassam. Assort.
casse ou pas là. Je fais le coin. Shaking, shaking the place. The plan of God concerning a woman is not a useless thing. Le plan de Dieu concernant une femme n'est pas la chose inutile. God brought a woman to help man to work. Dieu a envoyé une femme à aider l'homme pour travailler. Every man that is here, clap the life of every woman here. Tout homme qui est ici acclame la vie d'une femme ici. Et les hommes acclament bien. Si tu sais que tu es un homme, faut acclamer. Amen. Now, for some of you who are not married, my conclusion to you, come out of sexual intercourse. Pour certains d'entre vous qui n'êtes pas mariés, mon dernier mot est de sortir de des rapports sexuels. For you young men that you are still in masturbation. Pour vous les jeunes gens qui êtes encore dans la masturbation, come out of it. Sortez de là. Ce sont des choses qui sont cachées dans la vie chrétienne. Personne ne parle. These are things hidden in Christian life, and nobody wants to talk about it. Excusez-moi, mais les sœurs sont en ça, les sœurs sont en ça. Even sisters, they are into masturbation. Quand vous faites vos visages comme... Moi je connais ça, on a prêché dans beaucoup de lieux. Les gens font des visages comme ange. On a fini la personne et viennent, Pasteur, je sais que tu peux parler. Je sais que je te connais, tu ne sais pas le Saint-Esprit. Il y a un monsieur, il est venu à l'église. On l'a donné une chaise pour qu'il s'assoie. Condom est tombé dans sa poche. Pas. Monsieur est venu à l'église, on lui a donné un siège pour s'asseoir. C'est un préservatif qui est tombé de sa poche. So, celui de lui aussi a fait mal, il a pris. Donné. Celui de lui aussi a soulevé pour dire monsieur. Voilà, ta chaise, il a pris ça. Il l'a remis dans la poche. On était dans un hôtel, Maroc. Moi, j'étais en haut. On devait descendre pour aller quelque part. Jeune fille, comme 16 ans, 18 ans. Deux filles rentrent dans la chambre d'un Nigérien. Ah! Qui vous a appris ça? Yeah. Tu, dans le couloir, j'ai crié. Yeah. Alors là, Yo Pougon. Yo Pougon. Qui vous a donné le nom là? Yo Pougon, ça veut dire quoi? Yop. C'est quelle langue? Yo Pougon bébé? Oui. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est fort, hein? Yo Pougon. Yo Pougon. C'est comme quand vous éduquez enfant dans le Pougon. C'est pas facile. Une fois, j'ai demandé au frère, est-ce que les filles de Yopougon savent préparer? Parce que partout, on vend nourriture. Partout, il y a nourriture. Et les bas sont remplis. Ils mangent banal. Même les gens qui vont à l'église, c'est eux qui sont là-bas. Demain, c'est dimanche. Là. Yes. Tu vas voir le groupe des bas des baoulés, bas des pépés. Tu vois, ils sont tous. Ils pourront être ici. En tout cas, je ne cherche pas l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. The Lord bless you. Monsieur, retourne à ta femme. Man, go back to your wife. The Bible says, neglect not the wife of your youth. La Bible dit, ne néglige pas la femme de ta jeunesse. N'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Return to your wife. Retourne à ton épouse. The fact that you pay a bride price to a woman, you have not bought a slave. Le fait que tu aies payé la dot d'une femme, cela ne veut pas dire que tu t'as acheté une esclave. Many Ivorian men are very bossy. Beaucoup d'hommes ivoiriens sont, on va dire, violents. Pas violents, mais bossy. Like, c'est comme ta femme est comme toi, comme c'est son boss, du travail. Hein? Autorité. Il y a des hommes qui causent pas avec leurs femmes. C'est seulement quand ils veulent manger quelque chose qui parle.
Tu vois le monsieur, il est Papa Noël partout. Il sort là, tout le monde crie son nom. Mais la maison là, il ne donne pas. Il est gentil dehors, mais dans la maison, il est méchant. Très méchant. Il a une maman qui dit, hey, papa, ça, si je savais, j'allais amener mon mari dans ce mariage. Je vais rester pour l'envoyer. Alléluia. Amen. Now, finally. Finalement. There's a day of reckoning. Il y a un jour de récord. There's a day of judgment. Il y a un jour de jugement. In many years to come, dans des années à venir, or in few years, many years will not be alive. Ou dans peu d'années à venir, beaucoup d'ici ne seront pas vivants. Bravo. Si même tu as pris un médicament contre l'amour, tu iras. Jésus même qui est la vie là, il a mouru avant de nous donner la vie. Amen. C'est ça. Hein? Monsieur. Alléluia. Alléluia. Now the day that you die. Mais le jour où tu vas mourir, what will you be telling God? Qu'est-ce que tu auras donc à dire à Dieu? Acclamons le Seigneur. Et ça lui donne. Il a l'étape sur les choses. Il faut aider les gens. Pardon. Je veux bien conclure. There's a judgment awaiting all of us. Il y a un jugement qui attend nous tous. Maman, tu m'as donné 1000 francs. Le jour de jugement là, 1000 francs, ne va pas te sauver. Le Seigneur va te demander, il y a les faux cheveux. Quand je parle ici, la soeur dit tout âme forgée pour me faire du mal sera sans effet. Amen. Parfois, je suis étonné. Maman, je peux avoir ton sac là. C'est quelle couleur ça? Noir ou bleu noir? Bleu nu. Pourquoi je vais mettre bleu nu sur mes lèvres? Parce que j'ai sac bleu. Pourquoi? Nous jugeons ensemble. Oh, tu es venu dans le croisade, ce n'est pas mariage, c'est croisade. Oh, wow. Comme tu es poussé, it's not a wedding. Acclamons le Seigneur. On allait dans une mariage la fois dernière. Yeah. La femme, c'est comme elle est portée car le son pour venir. Tout son mouvement est dehors. Tu prêtes, tu tournes ici, bam, tu tournes ici, bam. Et finalement, on doit les mentionner. Quand vous venez, vous êtes mal habillé là, restez derrière. Parce que nous là, nos bouches là, va vous en mentionner. Quand vous venez aussi là, venez vite. Comme ça, on. Hein? Je prie, je vois tout le monde coucher. Et du coup, je vois tout le monde regarder dehors. Et je pleurerai. Ça, bon. Venez vite, quand tu sais que tu as mal habillé. Tu viens vite, tu t'assois quelque part. Quand on finit là, tu fais comme ça. Alléluia. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Qui n'aime pas ce pasteur? Who doesn't like this pasteur? Ok, qui aime ce pasteur? Who love this pasteur? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless you. Now, we bless God for your life. Nous bénissons Dieu pour vos vies. We share the word of God, man. The man that changes is the Lord Jesus Christ. Nous avons prêché, mais celui qui change, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. I want the women to help us to bring the couples out. Je voudrais que les femmes nous aident à. Amen.
One day I do this thing, I told them two, three times. I did that thing, not like go, I said let them like not fine. Yeah, please come forward. 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 Ici avant qu'on so that we have dominion over
blessed financial blessings. They sort your offerings. Prophétiquement aiguise la dominion sur la finance. Bring your offerings here. Bring your offerings here. Bring your offerings here. Apportez vos offrandes. Va prier pour le coup afin qu'il ait la domination financière. Et donc, si tu es là, que tu n'as pas encore fait ton offrande, ne la retiens pas. Quand tu aimes ce couple, viens, apporte ton offrande et permettons à l'homme de Dieu de prier pour eux avec cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abraham. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Monsieur Yao. Tanguy. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
Genèse 2, verset 24. Est-ce que tu consens à prendre la sœur Emma comme ta femme? Oui. Le oui, la même, la chasse les démons. Comme toi-même, les petites soeurs de nos pouvoirs, il faut créer une conseil que il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Acclamons le Seigneur pour le pasteur. Dans le pasteur Abraham, la Bible dit que le mari doit aimer sa femme. Toutes les femmes crient, le mari doit aimer sa femme. Comme son propre corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, le verset 28. Es-tu prêt à obéir à cette parole? Oui, par la grâce de Dieu. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dans la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son chemin. Romains 8, verset 8. Es-tu prêt à obéir à cette parole afin de ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour ta femme? Oui, par la grâce de Dieu. Je souhaite vous encourager le frère. Le pasteur a chaud. Vu ce que tu as fait dans Mary là. Parce que le pasteur est innocent. C'est toi qui le parle. Mais qui t'a appris ça? La soeur même a poussé le frère. C'est pas ici. C'est pas... La Bible dit que deux personnes, si deux personnes s'accordent pour demander une chose, excusez-moi, je ne suis pas francophone. Si tu n'es pas mon professeur, laissez-moi lire la chose. Regarde comment le pasteur lit la chose. Acclamons le Seigneur, m'encourager, il y a quoi? La Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, il la leur accordera. Matthieu 18, verset 19. Es-tu prêt à tenir à ta femme pour supplier le Seigneur Jésus-Christ et lui présenter ensemble vos besoins selon les situations? Oui, par la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur pour le pasteur. Donne micro, la soeur. Donne micro. La soeur Emma a créé Emma Sandrine. Acclamons la soeur. Qui sait chanter leur chanson là? Ok, on gasse ça. Ça, c'est bon déjà. On gasse ça. On gasse ça. Acclamons le Seigneur pour les instruments. La Bible dit que Dieu a pris une cause de l'homme pour former la femme. Genèse 2, le verset 22. Es-tu convaincu que tu es bien la cause du frère ou le pasteur Yao Abraham Tanguy? Oui. Thank you.
Et oui, là, c'est trois fois. C'est comme trois fois cinq. Là, ça, tu es bon. Amen. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, comme au Seigneur. Éphésiens 5, le verset 22. Es-tu prête, quelles que soient les situations, à obéir à cette parole? Prends ton temps. Ça, là, c'est fort. Premier là, oui, oui, oui. Je lis encore. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, le verset 22. Es-tu prête, quelles que soient les situations, à obéir à cette parole? Lui, par la grâce de Dieu. If you are here, all this ambiance, all that is going on, the joy, you have robbed everybody of it. Si tu es ici avec tout ce qui est en train de se passer, tu t'es volé toi-même. Le feu m'a laissé en chemin. Alléluia. Dans la soeur Emma, la Bible dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les eaux. Proverbe 12, le verset 4. Es-tu prête à demander conseil auprès de tes aînés qui ont un bon témoignage pour devenir vertueuse avec l'aide de Dieu? Oui, par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît, je vais déclarer les choses maintenant. Ok, merci Cécile. En vertu des prérogatives qui me sont conférées en tant que serviteur de Dieu, Je vous déclare en ce jour béni devant Dieu, ses anges et devant ce pasteur des témoins, mari et femme, au nom de Jésus. Alléluia! Vous aurez la domination sur l'argent. Aide-la à se mettre à genoux. On acclame le Seigneur. I want the pastors around. Je souhaiterais que les pasteurs viennent. Les pasteurs. If you are a pastor here, si tu es un pasteur qui est ici, que tous les pasteurs en ce moment autour de vous. Oui, tu fais quoi, là? Tu es mécanicien. Tu es un homme de Dieu, que tu es là. On va prier. Pasteur, rejoignez. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier et déclarer la bénédiction de Dieu sur leur vie. We are all
Nous allons tous prier pour les bénédictions de Dieu sur les vies. Nous allons prier qu'il surmonte les défis de la vie. Nous prions que la terre leur soit flexible. Nous prions pour l'aide divine. Et après 15 ans, nous, si quand on aime, nous faisons les voir toujours en amoureux. Commencez à prier pour eux. Commencez à prier pour eux. Seigneur, c'est pas ta volonté qu'aujourd'hui nous sommes témoins de ce mariage. Parce que tu l'as imposé la main. Tout ce que tu as dit que je renverserai, alors renversé. Sera plus béni ce que je dis. Tu dis que tout ce que je veux toucher sera une bénédiction. Alors tandis que je l'impose les mains, ils seront bénis. Children of God. Je prie qu'ils soient des enfants pieux de Dieu. I pray that your will come to pass in Jesus' name. Je prie que ta volonté ou cette union se réalise au nom de Jésus. Lord, we rebuke the devourer now in Jesus' name. Seigneur, nous réprimandons les dévoreurs et même maintenant au nom de Jésus. Lord, I pray that you give them a dwelling place and beyond the limit of this nation. Seigneur, je prie que tu leur donnes un lieu de demeure, même au-delà des limites de cette nation. Je prie que, Seigneur, le but de leur union soit même révélé, même maintenant. Que le but et la volonté de l'œuvre de Dieu dans leur vie soient établis. Je prie que la fin d'Abraham, de Emma et de leurs enfants soit le royaume des cieux. Divine protection shall be their portion.
The Holy Spirit lead them as you led Abraham in the Bible. I pray that they will possess any mountain that is theirs. Je prie qu'ils possèdent toute montagne qui est leur. I pray that their own shall be different from every man and woman of their house. Je prie que leur cœur soit différent de chaque homme et femme de leur différente maison. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I declare financial opening over your life. Je déclare les ouvertures financières sur leur vie. I pray that dryness will not be their portion. Je prie que la sécheresse ne soit pas leur portion. I pray for divine provision. Je prie pour la provision divine. I pray that you make their heart one. Je prie que tu fasses leur cœur un. I pray that you make them think one. Je prie que tu leur donnes d'avoir une même pensée. The fear of God shall be in their heart. Et que la crainte de Dieu soit dans leur cœur. Lord, I pray above all that the fear of God shall be in their portion. Je prie par-dessus tout que la crainte de Dieu soit leur portion. So therefore I rebuke every evil eye. Alors je réprimande tout œil mauvais. I come against any territorial spirit. Je vais contre esprit territorial. I come against any familial issues. Je vais contre tout problème familier. Of their father's house and mother's house. Et je pose et je mets silence à tout décret sur la maison de leur père. And no weapon formed against you shall prosper. Et que toute arme forgée contre vous ne prospère point. Every kind of judgment will condemn it even now. Et toute langue en jugement contre vous soit condamnée même maintenant. House. I pray that you flourish. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I give you my blessing as your pastor. Je vous donne ma bénédiction en tant que votre pasteur. Anything that you do in the will of God shall prosper for you. Anything that you do in the will of God shall prosper for you. Et que tout ce que vous faites dans la volonté de Dieu prospère pour vous. Lord, we thank you. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we bless you. Père, nous te bénissons. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. That your marriage shall be an example. Que le mariage soit un exemple. For the body of Christ. Pour le corps de Christ. For that which you join together, let no man put asunder. Que ce que tu as mis ensemble, que personne, donc aucun homme ne divise. Lord, grant them the wisdom to live together. Seigneur, donne la sagesse de vivre ensemble. In Jesus' name. Au nom puissant de Jésus. Let the saints say amen. Que les saints disent amen. Let the saints say amen. Que les saints disent amen. Let the saints say amen. Que les saints disent amen. Let the saints say amen. Que les saints disent amen. Let the saints say amen. Que les saints disent amen. Donne l'acclamation au Seigneur, les acclamations au Seigneur. Abraham, I call you out as a man. Attends. Je te fais sortir en tant que homme. You stand tall. Tu vas tenir comme un géant. You be the man of the mountain. Tu seras l'homme de la montagne. By this grace, raise your white arm. Par cette grâce là, relève ta femme. Amen. Amen. Alléluia. Ce que tu as fait dans la mairie après, ton verset est joli. Peuple de Dieu, I'm presenting to you Mr. and Mrs. Peuple de Dieu, je vous présente Monsieur et Madame Yao. Yao. Qui dit pas alléluia, là vous êtes qui alors? C'est calé, le frère là, il est parti. Il faut l'enlever sur vos listes là. Effacé. C'est facile. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Congratulations. Donc, quand on enlève sur liste, la chanson c'est les mêmes chercheurs. Je veux les faire danser avant de laisser le micro. I want to make them to dance before. Yeah. As the man, frère, y'a quoi? Tu es dans un temps too much. Bien frère, bien frère. Best man. Pasteur, pasteur Zawi. Ah, fais vite. Famille George Moyen. Jésus, oh, famille George Moyen.
Danser à
avec son fils. Quand nous chantons, le feu veut danser, il veut montrer à Yahweh que c'est lui le vieux Yahweh. Chanson. Et toi tout petit, yes. Et Dieu te grandira. Ne sois pas jaloux, yes. De ton frère. Et toi tout petit, et Dieu te grandira. Ne sois pas jaloux, ne sois pas jaloux. Célébration. Amen. Alors, nous disons félicitations au couple Yao. Voilà, ça a changé. Ce que vous voyez se faire dans la vie des autres aujourd'hui est en train de se réaliser dans votre vie. Ah, je me rappelle de cette phrase quand c'était mon tour. Oui, j'étais assis là et mon père disait: ce que pasteur Timothée a l'habitude de voir se faire dans la vie des autres est arrivé chez lui. Ce jour-là, j'avais mon frère Abraham à côté de moi. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici, frère. Que Dieu te bénisse. Il y a une histoire entre Yahou Abraham et moi. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est quelque chose de long. Je ne vais pas tout compter, mais j'ai mis ça quelque part pour toi. Tu auras le temps de le voir. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, amis et connaissances, voilà ce qui s'est passé dans les célébrations. Je connais Lula, qui connaissait Lula. Je me rappelle, quand on était à Bobo, j'ai un ami qui est aujourd'hui MDF chef à Danané. On s'appelle comme ça collègue. Et il y a un autre qui s'appelait Joël.
Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les cérémonies. Parce que à un certain moment de ma vie, je suis allé à une cérémonie à cause de nourriture. De toute façon, on m'a parlé. Donc moi, quand ça va dans la cérémonie, j'aime pas trop. De toute façon, on dit assis là, j'aime pas ça trop. On finit de faire et puis je m'éclipse. Même si je suis invité d'honneur, le temps de la rencontre, j'ai pris soit une bouteille d'eau, je suis parti. Donc Joël et Alain sont allés à un anniversaire. Et Alain est l'ami invité de la petite sœur de lui, son ami. Donc c'est-à-dire, je suis avec l'évangéliste Daniel, sa petite sœur fait anniversaire et moi il m'invite. Donc quand l'évangéliste Daniel m'a invité, je connais un autre ami là-bas, j'ai dit Alain. Donc Alain et Joël sont allés à l'anniversaire. Dans la célébration, vous savez, on doit chanter Joyeux anniversaire. Qui connaît la chanson? On veut chanter ensemble? J'entends pas. Verset. À la chanson ivoirienne, hein. Joyeux anniversaire. Maintenant, c'est Joël, toi qu'on a invité là. C'est lui qui chante fort. Joyeux anniversaire, petit chien du camarade de mon camarade. Je pense que le micro m'a fait de peau. Lui qui est invité, qu'on ne connaît pas, c'est lui qui chante fort. Joyeux anniversaire, petit chien du camarade de mon camarade. C'est-à-dire c'est long. Alléluia. Donc il y a tout cela. C'est pourquoi quand il y a cérémonie, on dit ami et connaissance. Alléluia. Pendant que la cérémonie est en train de poursuivre son cours, vous verrez que les hôtesses ou les services d'ordre vont commencer à déposer des petites choses sur vos tables. Voilà, commencer à vous désaltérer parce qu'on est resté dans la chaleur pour longtemps. Alléluia. Et avant qu'on ne passe, certainement que quand tu es venu, tu as prévu un présent pour les mariés. Avant qu'on arrive à l'étape de présentation des cadeaux, il faut savoir que le marié est un musicien, beaucoup humble, mais talentueux. Je l'ai vu dès le départ, je crois que ça devait être en 2013. En ce moment-là, c'était les deux cordes, quoi. Doum, 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 doum. Dieu merci que toute la famille est là. Toute la famille est là. Voilà, on a commencé avec Abraham. Et j'ai dit non, il ne peut pas remplacer le gars qui est parti là. Après, il dit non, faites-le appel. Au moins, c'est mieux de commencer avec quelqu'un qui est engagé que d'aller chercher un talentueux qui va vous laisser en bout de route. Et quand on a commencé comme ça, 2013, 2014, 2015, le gars l'a appelé sans musique. Bon, basique. Ce que je dis là, si je mens, les témoins sont beaucoup. Si on commence à les appeler ici, là, vous serez tombés. Mais aujourd'hui, frère, tu n'as pas joué. Ah, je te prends ça. Et donc, Abraham a évolué très vite, c'est un musicien. Et je sais qu'il y a un parterre de chants de musiciens qui sont déjà là. Et on va se succéder les uns après les autres. Alléluia. Pour célébrer Dieu, pour aussi partager la joie de notre frère et de notre soeur. Alléluia. Et donc, j'aimerais demander à tous ceux qui ont été invités comme chants de commencer à vous mettre ensemble. C'est-à-dire, si tu es seul, si vous êtes ensemble, commencez à le faire. Parce que quand je vais prendre ma feuille tout à l'heure, je vais commencer par vous appeler les uns les autres. Mais avant de commencer, il y a une personne que le marié a personnellement demandé que ce soit elle qui fasse alors l'ouverture de ce temps. Et c'est une sœur à lui qui nous a aussi épaté, talentueuse. Et nous bénissons Dieu pour son talent. J'espère que la chante Lorraine Kwame est là. J'espère que la chambre Lorraine Kwame est là. Amen. Donc la chambre Lorraine Kwame, c'est une introduction que tu vas faire. Et après toi, on va commencer à appeler les groupes, les chambres et tous ceux qui sont là pour célébrer Dieu. Juste après l'intervention de la chambre Lorraine Kwame, alors vous allez vous préparer pour vos cadeaux. En ce moment, on commencera à recevoir vos cadeaux. Aussi concernant le buffet, vous n'avez pas besoin de vous lever pour y aller. Elle viendra à votre table et vous apportera votre commande. Que le Seigneur vous bénisse. Please, tonton. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être présent aux côtés du pasteur. C'est vraiment une joie, une grande joie pour vous. Et ce chant que je vais chanter, je peux dire que ce chant résume un peu la prédication du pasteur. Je veux saluer le pasteur qui nous a bénis pour dire
mon frère là-haut que le mariage, c'était un choix. Et ce choix qu'il a fait, la base, c'est l'amour. On peut pas dire. J'aimerais appeler ici pasteur Jean-Marc Bessou, prier pour la nourriture et que je puisse vous donner le menu afin que chacun puisse passer sa commande pour déjà avoir quelque chose à la bouche. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu.
Père, nous voulons te demander, Père Seigneur, ce n'est pas que ton sang est brûlé, que tout ce qui vit de gloire n'ignorait pas ton nom, soit épouvanté par ton sang. Que Dieu le voit parce que les pères, et que Dieu le restaure.